Bonjour, tout d'abord, merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi nombreux aujourd'hui à participer à ce webinaire organisé en partenariat avec l'AGIRC ARCO. Celui-ci a pour objectif de vous présenter les droits et les démarches à effectuer pour demander votre retraite personnelle. Avant de découvrir ensemble le programme de cette matinée, je me présente. Je suis Céline Piquant, je travaille à l'assurance retraite, la caisse de retraite des salariés de l'industrie, du commerce et des services, ainsi que celle des travailleurs indépendants, artisans et commerçants depuis le 1er janvier 2020. Je suis accompagnée ce matin d'une équipe d'experts retraite, de l'assurance retraite, mais aussi de l'AGIRC ARCO, qui a pour mission de répondre à vos questions. Ainsi, pour le bon déroulement de ce webinaire, je vous invite à respecter les consignes suivantes. Vous aurez la possibilité de poser vos questions. Pour ce faire, vous devrez utiliser le fil de discussion, le chat. Et bien entendu, pour respecter les données personnelles de chacun, nous vous demandons de ne pas saisir de numéro de sécurité sociale, de nom de famille ou tout autre élément permettant de vous identifier. Ainsi, les questions seront triées par thème, certaines réponses seront apportées directement par écrit et d'autres viendront être présentées à la fin de ma présentation oralement. De ce fait, j'y apporterai une réponse pour tout le monde par voie orale. Nous vous informons que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement, ce qui vous permettra, à l'issue de celui-ci, de pouvoir regarder à nouveau le webinaire en replay. Donc, dans ce programme, nous allons voir ensemble les droits pour votre retraite, comment se compose votre retraite, de quoi est-elle constituée. Puis, nous aborderons les démarches qui vous sont demandées pour préparer votre retraite, à savoir les services en ligne pour faire le point sur votre retraite en termes de carrière, hein, pour vérifier votre parcours professionnel, mais également toutes les démarches à votre disposition pour effectuer une évaluation de votre retraite. Nous conclurons cette présentation avec les services que nous avons mis en place pour aider nos retraités à bien vivre leur retraite. Tout d'abord, les droits pour votre retraite. Comment se compose votre retraite? Celle-ci, appelée retraite globale, est répartie de deux manières. Tout d'abord, la retraite de base auprès de la sécurité sociale et plus précisément l'assurance retraite ou la mutualité sociale agricole si vous avez été affilié à ces deux régimes. Depuis le 1er janvier 2020, les travailleurs indépendants ont également rejoint la retraite de base de la sécurité sociale. Deuxième élément de votre retraite globale, la retraite complémentaire. Donc, pour tous les salariés, la retraite complémentaire obligatoire concerne le régime de l'AGIRC ARCO et éventuellement, si au cours de votre parcours professionnel, vous avez eu une activité dans une fonction publique pour laquelle vous n'avez pas été titularisé, dans ce cas-là, on parlera de contractuel de la fonction publique et dès lors, vous pourrez percevoir une retraite émanant de l'IRCANTEC. Voilà comment se compose la retraite globale, retraite de base plus retraite complémentaire. La retraite de base, comment elle est alimentée? Eh bien, ce sont des cotisations, hein, qui sont prélevées sur vos revenus qui se transforment ensuite en trimestre de retraite. À la différence, au niveau de la retraite complémentaire, les cotisations qui vous sont prélevées ne donnent pas naissance à des trimestres, mais à des points de retraite qui, le moment venu, seront multipliés par la valeur du point au moment du passage à la retraite. De ce fait, votre retraite sera donc le reflet de votre carrière et les éléments qui auront une incidence sur celle-ci sont les revenus perçus, la durée de votre carrière et l'âge de votre départ en retraite selon la législation en vigueur. Il est important de savoir que tous les événements de carrière ou personnel, hein, comme les interruptions involontaires d'activité, ont donc une incidence sur votre retraite. On parle pour les interruptions involontaires de congé maladie, congé maternité ou paternité, la perception d'allocation de chômage ou encore une exposition à des conditions de travail dites difficiles, anciennement appelées pénibilité. Les situations de handicap auront également un impact sur le montant de votre retraite et sur la prise en compte de votre départ à la retraite. Et aussi, vous retrouvez des situations telles que la création d'entreprise ou l'activité à l'étranger qui impacteront le montant de votre retraite quand celle-ci viendra. Si vous souhaitez en savoir plus, hein, vous avez deux sites internet à votre disposition. N'hésitez pas à les consulter. Donc, pour la retraite de base obligatoire, il s'agit du www.l'assurance-retraite.
www.fr. Et en ce qui concerne la retraite complémentaire, il s'agit du www.agirc-arco.fr. Maintenant qu'on a vu de quoi est constituée votre retraite globale, hein, retraite de base plus complémentaire, nous allons voir les démarches hein, qui sont à votre main pour préparer votre retraite personnelle et demander votre retraite personnelle auprès de nos services. Donc, les démarches pour préparer votre retraite, désormais, nous avons et nous vous proposons des services en ligne pour faire le point sur votre retraite. Pour ce faire, vous devez dans un premier temps vous inscrire et puis après, vous pourrez vous connecter sur votre espace personnel en vous rendant soit sur le site de l'assurance-retraite.fr ou sur celui de la retraite complémentaire, l'AGIRC-ARCO. Ces espaces personnels, bien entendu, pour les créer, tout d'abord, ils sont totalement gratuits et sécurisés puisque c'est une connexion via France Connect. Et pour vous donner accès à ces services personnalisés, la création de votre espace personnel va nécessiter l'apport d'informations de votre part. Donc, en ce qui concerne les informations qui vous seront demandées lors de la création de votre espace personnel, seront tout d'abord le numéro de sécurité sociale, qui est globalement le point d'entrée hein, auprès de nos services, puis le nom de naissance, prénom, date de naissance, une adresse mail à laquelle on ajoutera un mot de passe et enfin l'adresse postale. Sachez que la création d'un espace personnel ne nécessite pas beaucoup de temps, mais par la suite vous permettra d'obtenir de nombreuses informations personnalisées et à disposition un panel de services en ligne qui évoluera en fonction de votre âge. Donc, dans les principaux services en ligne, et un qui est très important en amont de demander sa retraite, c'est le document qui vous permet de faire le point sur votre retraite globale à tout âge et à tout moment. Donc, depuis votre espace personnel, vous pourrez consulter votre relevé de carrière qui a pour principal objectif de récapituler les droits que vous avez obtenus auprès de tous vos régimes de retraite obligatoires de base, mais aussi auprès de tous vos régimes de retraite obligatoires complémentaires. Donc, vous voyez hein, sur le document qui est présenté à droite, c'est le relevé de carrière. Donc, dans un premier temps, vous avez en haut un pavé qui équivaut à une synthèse du document. Donc là, on vous récapitule hein, le nombre de trimestres en fonction de votre année de naissance que vous devez obtenir pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Et ensuite, on vous fait l'état des lieux du nombre de trimestres que vous avez acquis jusqu'au moment où vous avez demandé la consultation de votre relevé de carrière. Ensuite, dans le pavé suivant, celui du milieu, on vient vous récapituler ce que vous avez obtenu auprès de votre régime de base obligatoire et auprès du régime complémentaire obligatoire. Dans l'exemple qu'on vous montre, hein, l'assurant en question a été affilié en tant que salarié auprès de l'assurance retraite auquel il a pu cumuler 168 trimestres et auprès du régime complémentaire AGIRC-ARCO, donc le régime qui va gérer son dossier Ecclesia, et il a pu obtenir 4652,10 points. Pour information, on vous redonne, hein, en ce qui concerne les points de la complémentaire, on vous redonne la valeur du point actuellement en vigueur. En fin de ce document, vous aurez le début de votre carrière professionnelle. Donc là, on va récapituler l'ensemble de toutes vos activités et inactivités professionnelles, de la plus ancienne à la plus récente. Et vous verrez, d'une part, vous aurez le régime de base, donc là, en l'occurrence, l'assurance retraite, avec le nombre de trimestres cumulés et acquis pour chaque année. Et à côté, le régime complémentaire et le nombre de points que vous avez acquis pour cette même année. Ensuite, une fois que vous aurez vérifié que l'ensemble des activités et inactivités professionnelles sont bien reportées sur votre relevé de carrière, hein, ce qui vous permettra de vous assurer que ce que vous allez engager ensuite, l'estimation de votre retraite sera calculée au plus juste, vous avez accès à ce simulateur dit MAREL. Hein, c'est notre nouveau simulateur de retraite commun à tous les organismes de retraite hein, qui vous permettra suivant les informations dont nous avons connaissance, de pouvoir vous estimer le montant de votre future retraite, et ce, par régime de retraite. On vous fait une distinction de votre retraite au régime de base et au régime complémentaire, mais également, on vous donnera l'information globalisée, donc c'est-à-dire du montant global de votre retraite, tout régime confondu.
Dans ce document, et nous allons le voir juste après, vous aurez aussi l'indication des estimations à différents âges de départ à la retraite. On vous fera des estimations au plus tôt vous puissiez partir à la retraite jusqu'au plus tard. Donc, le plus tard chez nous, c'est l'âge légal d'obtention automatique du taux plein qui, à ce jour, pour toutes les générations à compter 1955, est fixé à 67 ans. Donc, à cet âge-là, si vous n'avez pas le nombre de trimestres requis par rapport à votre génération, on vous attribuera automatiquement le taux plein de 50%. Donc, vous voyez, une fois que vous êtes connecté sur le simulateur et que vous avez demandé une simulation de votre retraite, on vous récapitule les informations. Donc là, en l'occurrence, on va vous donner l'âge au plus tôt auquel vous pouvez partir à la retraite, donc 62 ans. On vous indique le nombre de trimestres que vous aurez totalisé à cet âge-là. Donc, on va prendre les connaissances du nombre de trimestres déjà acquis. On va faire une projection, ce qui nous permet ensuite de vous annoncer un montant de retraite brut. Donc, il s'agit bien là du montant global de retraite brute. Ensuite, en dessous, on vous donne une information sur le plus tôt et le plus tard pour obtenir le taux plein de 50%. Donc là, on vous donne l'indication à 62 ans, puis celle à 67 ans, qui est l'âge d'obtention automatique du taux plein. Donc, 67 ans, on indique la date précise à l'assuré. On lui reprécise que là, c'est l'âge du taux plein automatique et on lui indique le montant estimé. Vous voyez sur ce document, ensuite, sur ce simulateur de retraite, vous avez la possibilité de personnaliser votre situation. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes vos informations personnelles ou de carrière, s'il y a des évolutions à prévoir, vous pouvez nous l'indiquer pour qu'on puisse les prendre en compte et ajuster l'estimation de votre retraite. Donc, voici comment s'opère le détail des estimations effectuées à différents âges, donc au plus tôt 62 ans, hein, 62 ans qui est à ce jour pour toutes les personnes nées à compter de 1955, l'âge légal de départ en retraite. Et on vous caractérise hein, par une bande bleue foncée, l'âge d'obtention automatique du taux plein qui à ce jour est fixé à 67 ans. Et entre chaque, on vous indiquera en cliquant sur chaque barre le montant de votre retraite aux différents âges qui vous sont annoncé. Ensuite, vous avez un feuillet beaucoup plus détaillé pour mieux comprendre le montant de votre retraite. Donc, on a vu précédemment qu'on vous a donné l'indication du montant global brut mensuel. Sur ce feuillet, on vient vous indiquer le montant détaillé par régime de retraite auquel vous avez été affilié. En l'occurrence, là, pour l'exemple qui vous est montré, la retraite de cet assuré sera composée de deux montants. Donc, le premier émanant de la retraite de base des salariés, donc l'assurance retraite, donc avec un montant mensuel brut de 995,81 €. Et on rappelle à l'assuré que pour déterminer ce montant-là, on est parti sur une base de 172 trimestres et vient se compléter à ce montant la retraite complémentaire émanant de l'AGIRC-ARRCO pour un montant mensuel brut de 264,17 €. Également, hein, on vient indiquer à l'assuré le nombre de points obtenus qui a permis de calculer ce montant de retraite complémentaire. Et également, on lui donne l'indication s'il est impacté ou non par ce nouveau coefficient de minoration ou majoration appliqué pour toutes les personnes nées à compter 1957 et exclusivement appliqué sur la retraite complémentaire pour une durée de 3 ans suivant l'âge de départ à la retraite choisi. Donc voilà comment vous devez interpréter et comprendre ce document, comment mieux le lire. Il est indiqué ainsi. Vous pouvez, et nous vous invitons fortement, nous conseillons fortement de vous y inscrire, l'agenda retraite. Qu'est-ce que c'est mon agenda retraite? C'est un nouvel outil, dès lors que vous vous inscrivez dessus, qui vous permet de recevoir par mail ou par SMS, à votre choix, des informations personnalisées entre 5 ans et 6 ans avant le point de départ à la retraite. C'est un petit peu, en quelque sorte, un pense-bête qui, à chaque étape de votre carrière, en amont de votre retraite, pour mieux préparer votre dossier, qui va vous alerter sur les démarches que vous avez à entreprendre auprès de nos services. Pour vous inscrire, vous avez juste à vous rendre sur notre site internet, hein, le www.l'assurance-retraite.fr, et vous aurez un encart qui vous proposera de vous inscrire à votre agenda retraite. Pour ce faire, vous devrez compléter les informations suivantes: votre nom, votre prénom,
votre résidence, une adresse mail et un numéro de téléphone portable. Et ainsi, vous pourrez indiquer la date de départ à la retraite que vous souhaitez. Et par rapport à cette date indiquée, vous recevrez les informations personnalisées. Donc, effectuer vos démarches de retraite, ça se fait à tout moment, effectivement, puisqu'on va vous demander dans un premier temps de revalider l'intégralité de votre carrière pour vous assurer que toutes vos activités et inactivités professionnelles ont bien été prises en compte. Et ensuite, pour effectuer votre demande de retraite, nous vous invitons à anticiper pour nous transmettre un dossier complet 6 mois avant la date de point de départ en retraite souhaitée. Pourquoi 6 mois? Ça nous permet, nous, d'inscrire votre dossier et de vous garantir la mise en paiement dans les délais. Grâce au service de retraite en ligne, vous pourrez demander votre retraite beaucoup plus simplement, puisque vous n'aurez qu'une seule démarche à effectuer pour l'ensemble des régimes de base et complémentaires auxquels vous aurez pu appartenir, être affilié tout au cours de votre parcours professionnel. Donc, une seule démarche pour l'ensemble des régimes auxquels vous avez été affilié, alors qu'au format papier, c'est un formulaire par organisme. Donc, vous voyez, on vous facilite les démarches. Donc, accéder à un parcours retraite 100% en ligne, c'est tout à fait possible en demandant votre retraite en ligne. Et ensuite, dans votre espace personnel, vous aurez la possibilité d'avoir le suivi de l'avancement de votre dossier. Donc ainsi, nous vous proposons un parcours optimal, mais également accompagné, garantissant la simplification de vos démarches grâce à un dispositif totalement sécurisé, puisque c'est une connexion valable pour toutes les administrations, France Connect, donc qui réduit fortement le risque d'usurpation d'identité et qui a un taux de sécurisation très élevé. Donc, par ce biais, vous pourrez vous connecter à votre espace personnel et obtenir un parcours optimal et accompagné. En termes de démarche de retraite, demandez votre retraite en ligne. Effectivement, vous allez avoir une empreinte carbone et une démarche éco-responsable puisque vous n'avez pas à faire les photocopies de vos justificatifs. Et via cette démarche, vous aurez déjà un formulaire qui sera pré-rempli des informations que vous nous aurez indiquées lors de la création de votre espace personnel. Il vous suffira de compléter votre situation personnelle, puis de nous informer sur le point de départ en retraite que vous avez choisi, puisque c'est vous qui choisissez votre point de départ en retraite. Éventuellement, si vous êtes bénéficiaire d'allocations ou de prestations, vous devrez également nous l'indiquer dans ce formulaire en ligne. Vous devrez fournir, afin qu'on puisse mettre en paiement votre pension vieillesse, des données bancaires et fiscales, puisque vous le savez, sur un montant brut de retraite, il y a également des prélèvements sociaux qui permettent de faire le versement du montant net. Et enfin, vous aurez la possibilité de télécharger les pièces justificatives qui vous seront demandées en fonction de votre situation et de nous les transmettre directement. Parmi les principales pièces justificatives, nous vous demanderons notamment le livret de famille, le relevé d'identité bancaire et postale et les 2 derniers avis d'imposition. Enfin, à l'issue de cette démarche, vous aurez un récapitulatif qui mentionnera tous les régimes auxquels vous avez appartenu et pour lesquels la présente demande va être envoyée. Ainsi aussi, vous retrouverez le point de départ que vous avez choisi et une fois que vous aurez vérifié toutes ces informations, vous n'aurez plus qu'à valider pour que vos demandes soient prises en charge auprès des différents organismes de retraite de base et de retraite complémentaire. Donc, ce qu'il est bon à savoir, c'est que pour toutes les personnes qui auraient un petit peu peur de s'engager dans une démarche en ligne, sachez que sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une vidéo qui s'appelle ma demande de retraite en ligne pas à pas. Et ainsi, vous retrouverez toutes les étapes qui vous seront demandées lorsque vous engagerez dans votre démarche de retraite en ligne, ce qui vous permettra en amont de visualiser un petit peu les écrans qui vous seront présentés et également les justificatifs nécessaires. Également, je tiens à vous informer que, à la suite de votre demande de retraite en ligne, l'organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO reviendra vers vous par mail quelques jours après la validation de votre demande de retraite en ligne, non pas parce qu'elle n'a pas pris en compte votre demande de retraite en ligne, seulement
parce que dans leur procédure, ils ont besoin d'une étape supplémentaire pour finaliser votre demande de retraite. Donc, ils vont vous demander quelques informations supplémentaires. Donc, n'ayez crainte, votre première démarche aura bien abouti. C'est juste qu'au régime complémentaire, il nécessite une seconde démarche pour finaliser votre demande. Donc, pour voir en quoi consiste la finalisation de votre demande de retraite Agirc-Arrco, sur leur chaîne YouTube, vous pouvez également retrouver un petit tuto pédagogique qui vous expliquera pas à pas en quoi consiste le mail que vous recevrez et quelles sont les informations que vous devrez encore leur communiquer. Donc, voilà, nous avons vu toutes les étapes hein, pour anticiper votre demande de retraite en ligne, pour effectuer votre demande de retraite en ligne. Mais sachez qu'auprès de l'assurance retraite et de l'Agirc-Arrco, il existe aussi des services en ligne pour bien vivre votre retraite dès lors que vous aurez le statut de retraité. Donc, ces dispositifs d'accompagnement pour bien vivre votre retraite, vous les retrouverez sur nos sites internet, l'assurance retraite et l'Agirc-Arrco. Et vous pourrez retrouver hein, notamment des informations très utiles sur des conférences et ateliers qui sont organisés sur les thèmes comme la mémoire, le sommeil, l'alimentation. Vous retrouverez aussi des informations et des aides individuelles qui peuvent être accordées à nos retraités sous certaines conditions pour aménager leur domicile. Hein. Notamment, je pense aux personnes qui, pour les maintenir à domicile suite à une hospitalisation. Donc, on peut mettre en place des démarches pour les aider à aménager leur domicile en ce sens. Également, vous pouvez avoir des conseils nutritionnels si vous en avez la nécessité. Hein, en vous connectant sur l'un des deux sites que je vous ai mentionnés, vous retrouverez les démarches à effectuer pour obtenir ces conseils. Et enfin, désormais, il y a des nouvelles informations et des nouveaux accompagnements sur le logement intergénérationnel, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous pouvez retrouver des aides qui vous permettent, en tant que retraité, d'héberger des étudiants, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, j'en ai fini avec ma présentation. Nous allons maintenant procéder aux questions-réponses pour les personnes qui n'ont pas obtenu de réponse à leurs questions et parmi les plus récurrentes. Donc, la première, bonjour, la demande d'attestation de carrière longue ne peut pas être enregistrée et envoyée en ligne. Il faut imprimer le document et le remplir afin de l'envoyer par courrier à la CARSAT dont je dépends. Pouvez-vous me confirmer cela? Alors, la demande d'attestation peut être envoyée en ligne. Il convient cependant au préalable, hein, ce n'est pas un service en ligne personnalisé. Vous devez au préalable télécharger le formulaire de demande d'attestation, le compléter. Et ensuite, via votre espace personnel et plus particulièrement via votre messagerie, vous aurez un petit encart Transmettre mon formulaire. Et en cliquant dessus, vous pourrez ainsi procéder à la démarche d'envoi de votre demande d'attestation de départ anticipé via votre messagerie de votre espace personnel. Et de ce fait, vous n'aurez pas besoin d'envoyer le document par voie postale à la CNAV ou à la CARSAT. Question suivante. Lorsque l'on cotise à la CNAV, obtient-on automatiquement des points Agirc-Arrco ou bien les points Agirc-Arrco ne sont-ils attribués qu'aux professions cadres et assimilées? Alors, dès lors que vous avez une activité salariée, vous allez cotiser, hein, puisque c'est un régime de base obligatoire, vous allez cotiser à l'assurance retraite et vous allez obtenir des trimestres. En parallèle, vous allez cotiser également à une autre caisse, la caisse de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco, qui vous permettra d'obtenir des points, que vous soyez employé ou cadre. La différence entre employé et cadre, c'est que les taux de cotisation ne sont pas les mêmes. Mais le statut ne change rien, vous cotisez malgré tout au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Bonjour, est-il possible, étant demandeur d'emploi et dès l'âge de 60 ans, de demander une retraite progressive? Alors, demander une retraite progressive dans les conditions d'éligibilité à la retraite progressive, il faut cesser son activité professionnelle d'au moins 20%. Donc, si vous êtes en tant que demandeur d'emploi, vous n'avez à ce jour pas d'activité professionnelle, donc vous ne pouvez pas justifier d'une modification d'un contrat de travail mentionnant votre réduction d'activité. Donc, non, vous ne pouvez pas prétendre à la retraite progressive si vous êtes demandeur d'emploi et si vous percevez des allocations de chômage. Depuis le 1er janvier 2019, un dispositif de majoration temporaire, minoration temporaire est mis en place pour les générations nées à compter de 1957.
Cet outil vous permet d'arbitrer entre temps et argent et de décider de votre date de départ à la retraite. Qu'est-ce que cela signifie? Si on décale son départ à la retraite d'un an, nous n'aurons pas de minoration temporaire. Quel est le gain? Donc oui, effectivement, auprès de la retraite complémentaire et uniquement auprès de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, pour toutes les personnes nées à compter de 1957, dès lors que vous demandez votre retraite à l'âge légal de 62 ans ou en anticipé avant 62 ans, vous serez impacté par le coefficient de minoration temporaire pendant 3 ans. Si vous décalez votre point de départ de 62 à 63 ans, vous ne serez pas impacté par ce coefficient de minoration. Vous aurez 100% de votre retraite complémentaire. Sachez toutefois qu'il y a des cas d'exonération hein, de ce coefficient de minoration. Donc, si vous souhaitez vous renseigner et avoir les cas d'exonération de ce coefficient de minoration, je vous invite à vous rendre sur le site www.agir-arco.fr. Pour finir sur cette question, si on décale d'un an, eh bien oui, vous aurez 100% de votre retraite complémentaire et vous n'aurez pas la minoration de 10%. En revanche, hein, si vous décalez encore d'un an, donc au lieu de 62 ans, 64 ans, vous n'aurez pas la minoration, mais vous aurez une majoration de 10% sur le montant de votre retraite complémentaire, non pas pendant 3 ans, mais seulement pendant une année. Au bout d'un an, donc à votre 65e anniversaire, vous retrouverez 100% de votre retraite complémentaire. Autre question, date du premier versement de retraite le mois suivant la date du point de départ, c'est-à-dire pour un départ le 1er novembre, par exemple, paiement le 1er décembre, donc un mois blanc. Donc la retraite auprès du régime de base hein, des salariés, de l'assurance retraite, est versée à terme échu sur le même fonctionnement que le salaire. Une fois le mois écoulé, on vous verse votre retraite. Donc effectivement, pour un point de départ dans l'exemple donné au 1er novembre 2021, le paiement, la première mensualité de retraite sera versée le 9 décembre 2021. C'est tous les 9 du mois. Cette date peut différer de quelques jours si le 9 tombe un week-end ou encore un jour férié. Mais c'est vraiment un terme échu. En revanche, la retraite complémentaire, elle, verse mensuellement également, mais à terme à échoir. Donc, c'est-à-dire en début de mois, elle va vous verser le montant de votre retraite pour le mois à venir. Donc, dans l'exemple mentionné, 1er novembre, elle versera aux alentours du 1er novembre la mensualité du mois de novembre. Auprès de qui s'adresser pour avoir un rendez-vous physique afin de poser toutes les questions et d'avoir des réponses précises en fonction de notre parcours? Donc, vous pouvez contacter notre plateforme téléphonique le 3960 pour obtenir un rendez-vous. Pour les personnes résidant en Île-de-France, à ce jour, il y a un nouveau moyen d'obtenir un rendez-vous, ce qu'on appelle le web rendez-vous. Donc là, en vous connectant uniquement sur le site régional www.l'assurance-retraite-idf.fr, vous pourrez directement aller réserver un créneau horaire d'un rendez-vous pour obtenir un entretien avec un conseiller retraite. Uniquement pour les personnes qui résident en Île-de-France, le service est actuellement pas encore proposé pour les CARSAT pour la province. Sinon, le 3960, hein, pour demander un rendez-vous, il n'y a pas de souci. On vous donnera un rendez-vous dans un point d'accueil retraite ou dans une agence locale. La retraite est-elle complète à 62 ans si on a son nombre de trimestres ou faut-il faire un an de plus pour ne pas avoir une réduction de 10%? Alors, il y a une distinction à faire. Donc, effectivement, à ce jour, l'âge légal de départ en retraite pour toutes les personnes nées à compter de 1955 est fixé à 62 ans. Suivant votre année de naissance, on vous demande un certain nombre de trimestres acquis. Donc, à 62 ans, si vous avez le nombre de trimestres acquis en fonction de votre année de naissance, oui, vous aurez votre retraite pleine auprès du régime de base des salariés, donc auprès de l'assurance retraite. En revanche, à la complémentaire, même si vous avez le nombre de trimestres pour bénéficier d'une retraite appelée au taux plein, dite au taux plein, et que vous êtes né à compter de 1957 et que vous ne pouvez pas bénéficier d'un cas d'exonération, votre retraite complémentaire et uniquement la retraite complémentaire sera diminuée de 10% et cela pendant 3 ans. C'est ce qu'on appelle le coefficient de minoration mis en place depuis le 1er janvier 2019 pour les retraites complémentaires et pour les assurés nés à compter de 1957. Bonjour, je suis en invalidité depuis 3 ans. J'aurai ma retraite à taux plein à 64 ans, soit le janvier 2024, sachant que j'aurai 62 ans en septembre 2022.
La CPAM va-t-elle me faire basculer automatiquement en retraite à 62 ans malgré tout? Donc, le fait d'être en invalidité va vous permettre, dès l'âge légal, si vous n'avez pas le nombre de trimestres exigés en fonction de votre année de naissance, on va vous attribuer automatiquement le taux plein de 50% pour calculer votre retraite de base. Et quelle que soit la catégorie de votre invalidité, que vous soyez en première, deuxième ou troisième catégorie, ça fonctionne de la même façon. La substitution automatique de la pension d'invalidité vers la pension vieillesse à 62 ans sera faite seulement si vous êtes en inactivité professionnelle. Dès lors que vous êtes en activité professionnelle simultanément à la perception de cette pension d'invalidité, vous n'êtes pas contraint de cesser votre activité pour percevoir votre retraite. De même, une autre situation, si vous êtes en tant que demandeur d'emploi dans les 6 mois précédant le point de départ à la retraite, vous pourrez continuer à bénéficier encore pendant 6 mois de votre pension d'invalidité si vous ne justifiez pas avoir repris une activité professionnelle. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est la distinction activité professionnelle et inactivité professionnelle. L'inactivité professionnelle, il y a systématiquement substitution dès vos 62 ans avec une retraite calculée au taux plein de 50%, même si vous n'avez pas totalisé le nombre de trimestres qui vous étaient demandés. Si on a le nombre de trimestres requis avec la majoration enfant, est-il possible de partir avant 62 ans? Donc, pour partir en retraite anticipée avant l'âge légal de 62 ans, il faut justifier de plusieurs conditions en fonction du dispositif auquel vous faites référence. Et pour ces dispositifs, on parle plus généralement d'une condition de trimestre cotisé. Les majorations de durée d'assurance au titre des enfants ne rentrent pas en ligne de compte dans ces trimestres cotisés. Donc, si vous n'avez pas la durée cotisée exigée par rapport à l'éligibilité au dispositif, vous ne pourrez pas prétendre à un départ anticipé puisque les trimestres de majoration enfant ne rentreront pas en ligne de compte. Quelle est la différence entre trimestre validé et trimestre cotisé? Les trimestres validés, c'est toutes les typologies de trimestres que vous pouvez acquérir et valider dans votre carrière. Donc, quand je dis toutes les typologies, ça peut être des trimestres cotisés liés à une activité professionnelle. Les trimestres assimilés liés à une inactivité professionnelle, puisque la loi nous permet de vous valider des trimestres quand vous êtes en situation de chômage, maladie, maternité, accident du travail, ou encore pendant la période de service militaire ou en invalidité, on vous valide des trimestres mais sans salaire. C'est ce qu'on appelle les trimestres assimilés. Et ensuite viennent s'agrémenter les majorations de durée d'assurance, soit au titre des enfants, enfants handicapés, congé parental. Majoration adulte handicapé. Voilà, il y a tout un panel de majoration de durée d'assurance. Donc là, ce sont toutes les typologies qui viennent dans les trimestres validés, à la différence des trimestres cotisés qui, eux, sont spécifiquement liés à votre activité professionnelle. C'est ceux sur lesquels vous avez cotisé et avec lesquels nous vous avons validé des trimestres. Si une période de chômage intervient entre 60 ans et l'âge de la retraite, cela a-t-il un impact sur le montant final de la retraite lors de la prise effective de la retraite? Alors, lorsque vous êtes en situation d'inactivité professionnelle, donc là en l'occurrence le chômage, vous ne cotisez pas à la retraite, hein, puisque sur vos allocations de chômage, il n'y a pas de cotisation retraite prélevée. Mais le législateur vous permet de valider quand même des trimestres. Donc pour du chômage, hein, tous les 50 jours de chômage, on va venir vous ajouter un trimestre à votre relevé de carrière, dans la limite de 4 trimestres par an. Au niveau de l'impact sur votre retraite, la retraite, elle est calculée sur les 25 meilleures années revalorisées. Donc si cette année-là ne rentre pas dans les 25 meilleures années, ça n'aura pas forcément d'impact. En revanche, si ça entre dans le calcul de la retraite, oui, ça aura un impact puisque ce sera une année sans salaire, donc ça viendra diminuer le revenu annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années. Y a-t-il encore des questions? C'est fini. Des questions? Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne continuation et par les temps qui courent, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.